Vraiment que ça doit pas, ça fatigue la maman, ça fatigue vraiment, maman a tout fait vraiment, il sait pas comment avoir, son enfant va être toujours avoir des bons comportements, bonnes idées, parce que vous le voyez, beaucoup d'enfants vont là prendre surtout, ceux qui sont en excès arrivent à prendre ce que leurs amis font là, tout ça, ça fait passe comme ça, parce que quand il va à l'école là, toi tu n'es pas là-bas, donc leur comportement, ils vont voir, ils vont prendre des comportements bizarres que toi-même tu ne te penses même pas. Toi-même tu n'es pas dans ce comportement-là. Papa même n'est pas dans ce comportement-là. Donc voilà, cette recette va aider pour donner bonne éducation à les enfants. Va aider toujours. Quand il vole, il va plus voler. Ça va les faire calme. L'enfant qui vole, l'enfant, on ne dit pas, il est là. Hein. Dès que lui il voit, il prend. Ce n'est pas une bonne attitude pour l'enfant. C'est pas une bonne nom pour la maman, pas là. Parce que quand tu fais, on va pas dire le fils, on dira la fille ou le fils de cette dame-là. C'est de ça qu'on va parler. Donc, pour donner vraiment la vie naturelle de nos enfants, pour aider nos enfants, donner comme ça se doit. C'est de ça que je partage aujourd'hui pour les mamans chéries, mamans bien. Maman des mamans, pour avoir toujours nos enfants, pour avoir l'encadrement de nos enfants, pour avoir du bien de nos enfants, c'est de ça que je parle. Du bien de l'enfant, avoir la paix de l'enfant, c'est de ça que je partage aujourd'hui avec vous, mes amours. Maman doit être maman, maman des mamans. Voilà, la recette c'est simple. Maman, tu n'as pas besoin d'autre. Tu prends les ongles, voilà, les 10 ongles, voilà, les 10 doigts de l'enfant, de ton enfant. Tu prends les 10 doigts de ton enfant, tu vas couper tous les ongles, là, voilà. Tous les ongles là, quand tu coupes tous les 10 ongles là, qu'est-ce que tu vas faire? C'est l'ongle là que tu vas calciner. Quand tu vas calciner l'ongle là, la famille, tu vas faire en poudre avec ça. Tu prends le lait de la vache pure. Lait de la vache pure, tu prends lait là. Voilà. Quand tu achètes le lait de la vache pure là, tu vas prendre lait là, tu mets l'ongle que tu as calciné en poudre là, tu mets ça avec le lait là comme ça. Lait de la vache, tu la donnes à consommer. Voilà. Tu donnes à ton enfant de manger. Tu fais ça. Tous les jours, tu la donnes. Tous les jours, tu la donnes. Tu vas avoir un changement. Tu vas avoir un changement par grâce à Dieu. Si l'enfant là ne t'écoute pas, l'enfant là fait des choses que vraiment toi-même, tu ne te passes même pas. Tu vas avoir le changement de l'enfant par grâce à Dieu. Dieu va la contrôler pour toi. Dieu va t'aider pour toi. Dieu va te donner la force à ça. Dieu va éliminer ce que l'enfant l'a fait. Dieu va t'aider par grâce à Dieu, maman. Fais ce recette, tu vas venir pointer ici. Juste les doigts des ongles, les 10 ongles des enfants, tu calcines ça là en poudre, tu mets avec le lait pur de la vache fraîche. Le lait pur de la vache fraîche, tu donnes ça à ton enfant de manger. Tu serais vraiment heureuse avec ça, content avec ça, mes amours. Voilà.